Yo les gars, c'est Nikomu, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui les gars, toute une nouvelle vidéo, donc comment avoir des crédits, enfin tout simplement comment se mettre bien au début du jeu. Donc déjà les gars, pour commencer, donc il faut avoir les packs du début, donc vous savez là où on a 4 packs toujours or, un truc comme ça, et genre 2 packs or. Enfin, moi j'ai eu ça en tout cas. Pour ceux qui ont des packs, voilà, vous allez être plus avantagé tout simplement par rapport à ceux qu'on n'a pas. Donc en fait, avec les packs que vous allez avoir, vous allez pas garder les joueurs, vous allez les vendre à un prix pas 400 crédits. Donc soit vous allez comparer si vous êtes un bon joueur, vous allez avoir de la chatte pour continuer en fait la suite. Donc, vous allez comparer des prix si vous en avez intéressant. Mais sinon, vous les vendez genre minimum à 550. Donc regardez-moi dans ma liste des transferts. J'ai eu tous ces joueurs, donc 400, lui, parce que regardez, 75 de notes, il part pas. Donc voilà, je le mets à 400, je l'ai mis genre 3 listas, je l'ai pas parti, je l'ai mis à 400, il est parti. Cursor, je l'ai mis à 800, il part. Ce qu'il faut savoir, les gars, c'est qu'il faut des joueurs, enfin, s'ils sont à moins de 76, les gars, vous mettez moins de 500, sinon ça sert à rien. À moins qu'ils soient intéressants, mais voilà, pour ceux qui sont pas intéressants, vous mettez à moins de 500 ou 500. Rizzo, j'ai mis 650, vous avez vu, il est parti. Argent, je l'ai vendu 250, donc les argent, vous pouvez les vendre aussi. Je l'ai vendu 600, je l'ai vendu 550, parce que en Barclays, les gars, ceux qui sont dans les gros championnats, vous pouvez les vendre plus cher. Donc en fait, donc voilà, il faudra lister et vous allez télécharger l'appli mobile, donc sur portable. Donc je vous conseille de d'abord faire ça sur l'ordi. Moi je sais qu'il y a Access, mais bon, moi je le fais sur ordi ça. Donc une fois que vous avez listé vos joueurs sur l'appli, vous allez relancer. À chaque fois vous relancez, genre au bout de 6 listages, vous allez tout vendre, comme moi en fait. J'ai tout vendu normalement, mais or, si je vais dans ceux qui sont en vente. Et ouais, donc c'est bon, j'ai tout vendu mais or. Genre en 6 relistages, j'ai tout vendu mais or. Donc voilà, donc grâce à ça, ça vous permet de commencer genre avec 9000 crédits. Et avec ces 9000 crédits, donc vous allez pouvoir commencer la base en fait pour l'achat-revente, etc. pour faire des crédits. Après aussi, vous savez qu'il y a les bonus crédits. Donc voilà, comme ceci. Donc moi, j'ai acheté tous les bonus de 1000 crédits. J'ai pas encore acheté ceux qui sont en dessous. J'ai un peu la flemme. Donc voilà, donc vous pouvez voir, grâce à ça, ça vous permet de gagner 1000 crédits. Donc moi, vous pouvez voir, les gars, que j'ai 1 à mon bilan, 0 à 1. Donc j'ai fait 2 matchs. En fait, j'ai gagné en ligne, parce que voilà, ligne, c'est easy. J'ai fait un crash d'équipe, mais j'ai lancé un ultime. Tu vois, je croyais que c'était faisable. Tu vois, mais j'ai oublié que j'avais une équipe de peu. Donc j'ai perdu 2-1. À la dernière minute. Donc voici mon équipe les gars. Donc là c'est un peu de la crasse hein. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, une autre astuce, bah après voilà, il y a les objectifs quotidiens. Donc faites-les les gars, c'est très important pour faire des crédits sans trop rien faire. Après donc voilà, donc là on va commencer les astuces niveau achat-revente. Donc voilà, donc je vais tout vendre, enfin tout enlever juste pour vous. Donc après vous allez dans boutique, tac, et vous allez mettre les packs bronze, vous allez en ouvrir un. Donc je pense que 3/4 d'entre vous connaissent cette technique. Donc voilà, vous ouvrez un pack bronze et vous allez voir que c'est là que c'est le plus intéressant. Donc retenez bien le prix les gars, vous achetez le pack 400 crédits, vous allez revendre les joueurs minimum 200. Donc voilà, ceux qui en veulent pas, enfin ceux qui voilà qui n'en veulent pas le coup, vous les vendez à 200. Lui peut-être c'est intéressant, non, 200, j'en ai vendu à 600 des bronzes hein. Donc voilà, c'est pour vous dire que ça marche super bien. Donc là, si vous faites le calcul, ça me fera 600 crédits pour l'instant avec ce contrat qui part, parce que les contrats rares ça part. Donc ça me fera 800 crédits sur 400 crédits de pack dépensé. Et en plus, donc ça on va dire cette vente c'est l'argent de la taxe. Du coup, donc voilà, vous faites le double de crédit de ce que vous avez payé. Mais ça c'est le minimum de ce qu'on peut avoir, parce que genre j'essaie d'avoir un bon pack. Donc ça fait déjà pas mal d'astuces les gars pour faire des crédits. Donc voilà, la tech bronze c'est la meilleure les gars, meilleure tech d'achat revente pour commencer. Après donc avec vous allez faire des crashs d'équipe. Si vous aviez accès comme moi pour finir un peu, si vous vous emmerdez, vous faites ça. Et vous allez faire des packs. Donc voilà, donc je pense que vous connaissez un peu ce que c'est. Vous allez faire des packs avec ça, vous allez vous faire un max de crédits. Et là vous allez faire des SBC. Donc ça c'est pour ceux qui ont déjà une base de crédit, donc on aura des hybrides pays, c'est quand même un truc de ouf. Donc déjà, quand vous aurez fini les 4, vous aurez un pack méga rare, donc 55 000 crédits. Là, ça fait 25 000 crédits. Là, 7 005. Là, 35 000. Et là, 45 000 crédits. Vous en avez pour plus de 150 000. Ou ouais, un truc comme ça, à peu près 150 000 crédits de pack. En tout, je pense que pour ça, vous en dépensez pour 30 000 ou 40 000 grand max. Donc voilà, franchement, il y a grave moyen d'être rentable avec le début du jeu.
Bon, ça c'est pour ceux qui ont déjà des crédits. Donc, attendez, je crois que j'en ai revendu deux. Ouais, bah j'ai dû en revendre deux par rapport à tout à l'heure. Donc, on peut voir cette technique. En fait, les joueurs ils vont se vendre à la fin. Donc, voilà, comme ceci, ils vont se vendre vraiment à partir de la fin. Je pense que j'ai pas oublié de petites techniques, voilà, pour débuter, donc pour ceux qui ont vraiment pas beaucoup de crédits. Puis les gars, vous dites qu'avec les bonus de 1000 crédits, vous faites 1000, genre vous faites 20 matchs, 20 000 crédits, c'est abusé. Voilà, toutes ces astuces, parce que voilà, quand même, quelques-uns connaissent et toutes ces astuces réunies. Voilà, c'est pour aider ceux qui vraiment qui commencent le jeu ou bien ceux qui cherchent voilà à se faire de la thune, truc comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre des likes, à vous abonner, à partager. Moi je vous dis à la prochaine. C'était Nico, bis.